Apprenez l'argent, comment gagner de l'argent, comment faire du chiffre d'affaires. L'erreur la plus commune est presque toujours un manque de gestion de flux de trésorerie. Comment s'y prendre? Quels sont les éléments de réponse? Trouvez vos formations. Et puis surtout, quand vous avez une entreprise, investissez, ne dépensez pas. Tout ce qui sort de votre compte bancaire doit être un investissement, pas une dépense. Et le premier réflexe pour investir, c'est d'investir en vous. Parce que entrepreneur, solopreneur, à la tête d'une start-up ou pas, vous êtes le premier actif de votre entreprise. Si vous vous délaissez, si vous êtes brûlé, épuisé, sans aucune ressource, sans aucune créativité, sans un bon état d'esprit, sans une positivité, sans des ressources, sans du mental, sans des outils, sans des stratégies, c'est fichu votre entreprise. C'est fichu, notamment si vous avez moins de 5 à 10 salariés. C'est fichu. Donc si vous cessez de vous former, de vous ressourcer, de prendre soin de vous, c'est terminé. Donc investissez d'abord en vous et pour le reste de l'entreprise, ne dépensez pas.